Tiens, mais c'est quoi ce bordel? Il devrait y avoir le triple. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le début de cette vidéo, il faut avoir vu précédemment l'autre vidéo sur comment changer la carte micro SD interne d'un SMEG sur une Peugeot 308. Je rebondis sur cette vidéo-là puisque beaucoup de lecteurs m'ont remonté un bug lié au logiciel de clone EasyUS To Do Backup que je vous conseillais dans la vidéo. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on augmente la taille de la partition, eh bien lorsqu'on remet la carte SD dans le SMEG et qu'on redémarre la voiture, eh bien le SMEG voit toujours 7 Go alors qu'il devrait en voir le triple. Pour résoudre ce problème, ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Il faut changer tout simplement de logiciel de clone. On va en parler tout de suite. Le logiciel s'appelle MiniTool Partition Wizard. On branche les deux cartes SD, on le lance, on sélectionne la précédente carte SD qui vient du SMEG, on clique sur copier le disque, on sélectionne la carte SD de destination, donc la nouvelle qui est vierge, on fait suivant, on fait oui. Là, on voit les nouvelles capacités et on fait suivant, terminé. Ensuite, on clique sur appliquer. Oui. Et là, ça se copie. Une fois que c'est terminé, on se retrouve dans la voiture. Yes, ça fonctionne enfin. Pour ceux qui doutent de la fluidité, regardez. Efficace, non? Alors encore désolé du désagrément, mais il faut savoir qu'avant de vous faire cette vidéo définitivement, j'avais fait déjà des essais sur une 208 et une 308 et ça s'était très bien passé. Alors je n'arrive pas à expliquer si c'est lié au logiciel, si c'est lié à une version particulièrement buggée, mais bon, le résultat est là. Le principal, c'est d'avoir résolu ce problème avec ce nouveau logiciel, le clone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.